cette radio? La dernière fois que nous avons émis à Beni, c'était en 2019, au tout du mois de septembre. Nous avons été locataires dans une maison des privés, des particuliers. Nous n'avons pas eu la possibilité d'honorer la facture du loyer. Et c'est comme ça qu'ils nous avaient déguerpi. Et après ces jours-là, nous sommes allés nous abriter par-ci, par-là pour juste conserver le matériel. Et en attendant que la MONUSCO nous est venue en aide pour relancer maintenant les activités par ces cérémonies après l'acquisition de ces bâtiments. Je ne m'imaginais même pas qu'un jour la RTNC sera dotée des infrastructures pareilles. Avant, nous étions dans un local. Vous évitez quelqu'un, vous avez honte de les recevoir dans les studios. Mais aujourd'hui, nous avons la fierté. Nous pouvons éviter n'importe qui, en tout cas, et nous sentirons à l'aise. Ce projet de la MONUSCO est un projet qui nous donne l'opportunité de revivre. Revivre comme la voie officielle de l'autorité de l'État ici, dans la ville de Beni et ses environs. Et aujourd'hui, nous sommes dans une réalisation concrète. C'est vraiment un ouf de soulagement pour la voix du peuple, mais c'est aussi un ouf de soulagement pour cette population qui va désormais avoir l'information à temps réel et la voix officielle sur toutes leurs différentes préoccupations.